Bonjour Shaina. Bonjour. Alors, toi, tu fais partie de la troupe qui va jouer la pièce Omai à la salle Manouïti. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle dans cette pièce? Alors, moi, je suis une des passantes que Omaï justement rencontre et je joue ben, la transe du 21e siècle. Et Rien à voir. comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as atterri dans cette troupe? Alors, ben moi, j'ai été contactée directement par Kitawa dès mon retour de France et ben, chercher quelqu'un pour ce rôle parce qu'elle ne trouvait personne et ils avaient comment dire, un style particulier de transe. Il fallait absolument une transine. Et ouais, voilà. Ils Bien m'ont repéré par rapport à. une transe bien féminine. C'est ça, bien fine, avec des gros boobs, alors que moi, j'en ai pas. Alors du coup, on t'en a rajouté pour la pièce. Oui, c'est ça. Je suis avec un soutien énorme. Et est-ce que tu avais déjà joué dans une fiction ou dans une pièce? Dans une pièce de théâtre, jamais. Mais j'ai déjà fait des films. Est-ce que tu Du peux me coup, dire lesquels? alors j'ai fait la mini-série qui était passée sur Tahiti, sur TNTV, Tahiti Teenagers, c'était il y a 10 ans. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai tourné dans Pacific Fiction, un film qui a été nominé au Festival de Cannes. Ah oui, carrément. Du coup, j'ai aussi participé au Festival de Cannes l'année dernière. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette expérience? Cannes, déjà j'ai su un mois avant que je devais partir justement et c'était une super expérience. J'ai apprécié le voyage du début à la fin et ouais, j'ai fait plein de rencontres, c'était chouette. Et ça t'a donné des ouvertures, on t'a fait des propositions ensuite. J'ai eu des propositions, mais je devais revenir. Du coup, j'ai rien accepté. Et puis, on m'a dit que avant d'accepter des choses comme ça, il fallait avoir un agent. J'ai pas d'agent. Du coup, Oui, parce que eux, ils veillent au grain quand même. Ils font c'est attention à ça. la carrière, que les propositions soient sérieuses et que les C'est contrats ça. bien signé, et quand on n'y connaît rien, on risque de se faire manger par les producteurs ou les metteurs en scène. Puis on tourne et on se retrouve, on n'a rien, quoi. C'est ça. C'est pour ça que la femme du réalisateur m'a dit, bah, si je veux continuer dans cette voie, il faut que je me trouve d'abord un agent avant de pouvoir bah, continuer. Et ici, il y a de quoi trouver un agent ou il faut aller en France? En fait, en vrai, là, pour l'instant, je n'ai même pas cherché parce que je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire vraiment. Du coup, je suis en mode, là, je laisse passer le temps et si j'ai vraiment envie de le faire, ben, je le ferai. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais pas du théâtre? Rien du tout. Je suis à la maison, Tranquille. tranquille, Alors, ou avec mes. pour te glisser dans la peau du personnage, est-ce que ça a été compliqué? Tu avais beaucoup de textes? Alors, non, j'ai pas énormément de texte. Je dois avoir 4 pages. Ça va. Mais pour me glisser dans la peau du personnage, au début, c'était un peu dur parce que je ne me reconnaissais pas vraiment dans ce personnage. Parce que c'est une transe qui a été chassée de sa famille, justement parce qu'elle était trans. Et bah, je n'ai pas vécu ça. Du coup, c'était un peu difficile de donner des émotions pour ce personnage. Mais finalement, là, ça va mieux. Ben oui, remarque, c'est le but du théâtre, hein, c'est de vivre autre chose que ce qu'on a vécu en fait. Même si après il faut donner des émotions, il faut aller les chercher au fond de soi ou alors avoir une certaine expérience aussi des autres, parce que je suppose que tu connais des gens à qui c'est arrivé.
Oui, j'en connais plein à qui c'est arrivé. J'en connais même qui maintenant habitent dans la rue et c'est horrible, mais bon. Toi, tu as eu la chance d'avoir été acceptée. Oui, très jeune. Et donc ça, c'est bien aussi parce que ça, malgré cela, tu as quand même pu jouer un personnage le personnage de quelqu'un qui avait été chassé de chez soi. Oui. Bon, Du donc coup, ça fait bizarre. c'est le C'est théâtre. clair. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates, s'il te plaît? Alors, c'est le 3 et 4 février à Paéa, à la Salmanuit. Voilà, à partir de 19h30. À partir de 19h30. Et les billets sont disponibles en billetterie en ligne. Voilà, et sur place, si on n'a pas eu le temps. Eh bien, Chana, je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Nana.